Et salut à toutes et à tous, Alex, comment vous allez? Écoutez-moi, ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle série sur le Tour de France 2014. Donc le tour qu'on m'a proposé, donc avec la Cannondale. On m'a dit Peter Sagan en leader, ça il est chaud quand même. Il a que 66 en montagne, donc je sais pas du tout. Je vais quand même essayer le défi, mais ça risque d'être assez chaud. En tout cas, on va former un train. Et Sabatini, c'est qui? C'est le meilleur. Viviani, il va protéger Sagan. Et Basso, il va se concentrer dessus. J'ai pas envie de cramer Ivan Basso non plus. On a Ivan Basso, voilà. Ivan Basso, c'est un très très bon leader, je trouve. Peter Sagan, en plus, qui n'est plus tout simplement à la Cannondale. Il a rejoint la Team Cof Saxo. Mais la Cannondale, ça s'appelle plus Cannondale, c'est Garmin Cannondale désormais. Allez, mon équipe qui roule. Encore 5 km, et voilà, donc Oscar Gatto, il y a des bons quand même, et on va quand même demander, pour l'instant ils sont bien les miens, mis à part Viviani, je sais pas où il est. Allez, il faut rouler, on a gagné le sprint intermédiaire du peloton, parce qu'il y avait des échappés, j'avais mis un coureur de mon équipe dans les échappés. Allez, on va leur demander de rester dans le peloton, et nous on va tenter de remonter ce groupe. Où Marcel Kittel? Ah non, c'est John Degenkolb. John Degenkolb, Marcel Kittel, je sais pas où il est. On va quand même demander à Viviani de lancer le sprint. À tous mes coéquipiers de prendre leur ravitaillement. Je me suis fait isoler. Ça risque d'être chaud. Je sais pas qui c'est qui est parti là-bas. Il y a un petit groupe qui s'est formé. Avec Degenkolb, Kittel, ça risque d'être chaud. On va tenter de revenir. Ça va être très très dur. Ils sont loin devant déjà. Peter Sagan. Ouh, il s'est fait isoler, Peter Sagan, il revient fort quand même. Il y avait Benatti, attention Kittel qui va aller s'imposer, en moins que Sagan revienne. Le retour de Peter Sagan. Ouh, la victoire de Peter Sagan, exceptionnel il a été, Peter Sagan. Premier leader du Tour de France, Peter Sagan, et Viviani qui fait 7ème. Mais franchement, je les avais pas vus là, c'était Kittel, Benatti, Degenkolb et Wasson again qui s'étaient isolés. Et Peter Sagan a fait un retour canon. Donc écoutez, c'est magnifique. On est premier leader, donc déjà c'est pas mal. On se retrouve pour la deuxième étape. On va quand même prendre Peter Sagan parce que c'est un bon coureur de vallon, Peter Sagan. Et on va quand même surveiller Ivan Basso. Allez, à de suite les gars. Allez les gars, on se retrouve à 16 km de l'arrivée à Sheffield. Non, c'est pas Sheffield. Je sais plus, j'ai un petit trou. Bon, c'est pas... Attendez. Si, ouais, c'est Sheffield. Avec Peter Sagan, le maillot jaune. Et on a attaqué parce que tout simplement, Peter Sagan a le bug de barre. Donc, écoutez, ça fait deux fois que je refais la vidéo, ça fait deux fois qu'il a. Donc, on va pas s'en priver, ça peut nous aider. Donc, on va rouler grand plateau comme ça jusqu'à la fin. Essayer de reprendre déjà un maximum de temps. J'ai vu que sur les pavés, il avait pas une note très dégueulasse non plus. Donc, ça peut le faire. Voilà, on continue à rouler fort, en tout cas, avec Peter Sagan. On va rouler comme ça jusqu'à la fin en fait, et là normalement, si on roule comme ça jusqu'à la fin, je pense qu'on peut reprendre beaucoup de temps. On a repris, ouais, une minute, ouais, c'est bon. Ouh, Basso, il est bien placé en plus. Non, Basso, franchement, faut qu'il reste dans son groupe. Même s'il prend de la barre, même s'il en perd encore, de toute façon, de la barre, Peter Sagan, il a encore son ravito. Basso, il faut pas qu'il mène le groupe, voilà, c'est bien 1 minute 30, on leur met quand même là, au leader. 10 km de l'arrivée, excusez-moi. Ah ça, il commence à perdre la barre maintenant, Peter Sagan, voilà. De toute façon, on va pas s'en priver, on l'a, ça fait deux fois que je recommence. Après, il va y avoir les Alpes, les Pyrénées, à mon avis, on risque pas de le conserver, quoi, le maillot. Hein. Enfin, ça va être très dur, à mon avis. Hein. Ou une 48, Romain Bardet, il se fait allumer complet là. On va attaquer comme des fous dans le raidillon. On va rouler grand plateau dans le raidillon et on va voir ce qui se passe. Ça y est, c'est bientôt là. C'est dans environ 700 mètres. Ouais, voilà, c'est là. Ça va commencer maintenant. Il y a à peine 1 km. Ouh, voilà, ça commence à monter pour Peter Sagan.
Allez, il monte Peter Sagan, il le monte très très bien là pour l'instant, le Rédillon. Il est en danseuse, il place des petites attaques comme ça, voilà. Allez, hop. Ouais, il aura fait une très très bonne étape là, Peter Sagan, il prend son ravitaillement. Voilà, on va faire la descente à bloc parce qu'elle est grosse là, sa descente, et on peut récupérer pas mal de barres rouges. Ça peut être pratique. Voilà, on va rouler grand plateau maintenant jusqu'à la fin. Et ça va faire une autre victoire encore là pour Peter Sagan. Victoire. Ouh, 2 minutes. On va leur mettre 3 minutes là au leader sur cette étape. Elle est taillée pour Peter Sagan. Basso est loin. Basso, carte blanche. Toute l'équipe, carte blanche. Et allez, Peter Sagan qui va sprinter. Il va sprinter. Il aura de quoi la savourer là, cette victoire d'étape 1, parce que c'est pas tous les jours qu'on met 3 minutes au leader. Ah, il en a perdu quand même de la barre, hein, Peter Sagan. Je sais pas si c'était vraiment le bug, parce que l'autre, franchement, il y avait le bug. J'ai roulé comme un fou jusqu'à l'arrivée, puis je me suis dit, non, je vais pas faire ça, ça va recommencer. Voilà. Donc, on se retrouve pour l'arrivée à Londres. À de suite, les gars. Et 3 minutes 17, on leur met. Allez, les gars, on se retrouve à 10 km de l'arrivée. Avec le leader, qui est Peter Sagan, et il est vraiment... Ouh, la chute! Ouh, il y en a un qui s'est ramassé complètement là. Ou Mikel Matthews tombé, Mikel Matthews qui est tombé. Ah, il n'y a pas de. Non. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ivan Basso, faut qu'il reste là. Et nous, on va y aller avec Peter Sagan. On va tous leur demander de rester dans le groupe. Et nous, on va tenter les coups du kilomètre en gros avec Peter Sagan. On s'est prendre en chasse par le coureur suédois là. Et il y a Robert Kessink, Boyke Mollema, Talansky, De Gendt, Boss, Megeral, ok, je crois qu'il n'y a pas de gros coureurs qui sont tombés. Pour l'instant, j'ai pas vu, mis à part Tendam, Gesink. 151 dans le peloton. Et ça roule fort, c'est Peter Sagan qui ramène le peloton, qui fait rouler là. Et qui roule tout seul. Ah, ça va peut-être faire une troisième victoire pour Peter Sagan. Troisième en 3 étapes, ça... Ça serait beau pour Peter Sagan qui continue à rouler. Il va peut-être prendre son ravitaillement bientôt. Des Gunkulp qui débordent là-bas sur le côté. Cavendish. Non, ça c'est Petaki. Allez, il prend son ravitaillement. Peter Sagan. Il se concentre. Il lance pas maintenant. Et il prend le mur. Il va débouler. Et il va le lancer. Marcel Kittel qui est bien parti. On va rester dans la roue de Kittel. Il faut revenir. Voilà sur Kittel. Allez, Kittel. Kittel face à Sagan, ça va être Kittel qui va s'imposer, ou Sagan est passé, Sagan passé. Et Sagan va le faire, voilà. Victoire de Peter Sagan. 3 sur 3 pour Peter Sagan, qui est très très fort là, en ce début de tour, et vraiment en forme. Et voilà, donc victoire de Peter Sagan, tranquillement. Devant Cavendish, Kittel démarre, Christophe, Greipel, Benati, Degenkolb, Uchov, D et Boissonhagen. Allez les gars, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à bientôt pour la suite de la carrière FIFA ou la suite de ce Tour de France. Allez, ciao tout le monde.